Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser somme prod pour calculer son conditionnel. On va faire égal somme, on prend A2 jusqu'à A11, on clique sur F4 pour fixer cette zone. On va faire égal, on continue de F2, étoile, on ferme la parenthèse, on ouvre la parenthèse, on prend les colonnes des effectifs. Ça va dans P2 jusqu'à P11, on clique sur F4 pour fixer cette zone. On met tout ça entre parenthèses et on valide, on a 50, donc il y a une erreur. Parce qu'on a plus que 50 ici pour café. Donc la solution ici, c'est on va utiliser notre colonne. On va faire égal supprimer pour faire supprimer l'espace inutile. Donc on clique sur. Faites un clic pour copier la formule en bas. Et au lieu d'avoir boisson, on va nommer C1 boisson 2. On va travailler avec les colonnes P ici. Donc on va ignorer pour le moment la colonne A. Ici, on va faire égal somme prod, on ouvre la parenthèse et on prend la zone, première zone, c'est C2 jusqu'à C11, on clique sur F4 pour fixer cette plage, on fait égal F2, on ferme la parenthèse, on fait étoile, et puis B2 jusqu'à B11 qui contient les effectifs. On clique sur F4 pour fixer cette zone de dialogue, on clique sur F4 pour fixer cette zone de dialogue. Et on valide, et voilà, formule utilisée ici. Pour copier la formule, CTRL C, puis CTRL ALT V, on a couleur spéciale, on copie la formule. Et voilà, si on teste dans la cellule F5, on met le lait, on a ici 280. Mais attention, ici on a coffé, on a erreur, parce qu'on a ici café et non coffé. Voici la formule utilisée ici. Bien sûr, on peut masquer la colonne A. On peut masquer la colonne A, clic droit, masquer. Si on veut tester la formule, si on a ici B2, on a 1000, on a immédiatement la formule qui calcule le résultat. Merci pour votre temps, fidèle dans cette chaîne, c'est une notification pour recevoir des vidéos télégrammes.